Oh, joyeux Noël à tous et bienvenue sur Bartolo Vidéo. Il y a quelques jours, c'était Noël. Et donc, je vais vous faire aujourd'hui mon top 100 des meilleurs livres à offrir pour Noël. Numéro 100, le... Stop. Tu nous as déjà cassé les pieds la dernière fois avec le Père Noël. Là, aujourd'hui, c'est moi qui décide le thème de la vidéo. Aujourd'hui... nous avons décidé de prendre un thème en relation avec Noël, mais avec pas trop de Père Noël, puisque nous allons parler chaussettes. Les chaussettes de Noël, dans lesquelles je mets des beaux cadeaux et des... Et non. Nous, dans les chaussettes, regarde, on met des perruques. Ah. La vidéo du fun, quoi. Ouais. La vidéo, je mets les perruques dans des chaussettes. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour à tous. Toutes les perruques de Bartolo que tout le monde range un peu n'importe comment. Bon, c'est tout à fait ça, hein. Et nous allons essayer de les coiffer pour leur redonner de l'allure. Ah oui, bah, je pense que on en a pour un moment, hein. Kératine liquide, ça peut vous aider à arranger la perruque. En même temps, on donne les trucs et astuces beauté. Voilà. Perruque. Bartolo Vidéo, la chaîne beauté. La perruque rose a servi pour Elvoyer partout pour la première fois. Oui. Ah, oui. Parfaitement. Ah bah c'était Fanny qui la mettait, cette perruque-là. Et voilà. Et celle-là, Père Noël? Bah celle-là, elle a servi qu'une seule fois. C'était pour un café théâtre sur le voyage dans le temps. Et c'était pour le sketch de fin dans le futur. Oh, parce que ça fait futuriste. Ah oui. Voilà. Vive le vent, vive le vent, vive le ventilateur qui nous amène de l'air quand arrive l'hiver. Non, je cherche un truc où tu auras un truc à raconter. Alors ça, c'est une perruque personnelle. Oh, Père Noël, c'est quand il s'est déguisé en Dalida. Monday, la 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 la, Tuesday, c'est la perruque de Sylvain. Bonjour mes deux amis. Bonjour Sylvain. Et d'ailleurs, et en plus c'est vrai, on l'a aussi utilisé dans une des vidéos de Bartolo. Ah oui, ouais. Pour les 100 raisons de s'abonner à la chaîne. Voilà. Numéro 11. Parce que tu le vaux bien. D'ailleurs, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Oh, mais justement, regardez ce qu'il y a là. Là, hop. Où ça, ça, ah, oh, 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 c'est un gros bouton, abonnez-vous. Et si vous cliquez dessus, hop, le nombre augmente, c'est magique. C'est la magie de Noël. Céline Dion est pas blonde. Elle l'a été, je pense, à un moment. Ouais, elle est pas blonde, mais elle est châtain blondasse, quoi. Ah, Maria Carey est blonde. Ouais. I just want you for Christmas. C'est la meilleure chanson de Noël de tous les temps, mais voyons. Mais qu'on ne prend pas dans la vidéo, parce que sinon, bah, ils vont dire « Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette vidéo. » Tout de suite, une version de « I want just you for you ». Tout de suite, un timelapse des filles en train de coiffer les perruques sur une musique de « I just want for you for Christmas » à la flûte à bec. C'est la flûte à bec de Noël! Même en se disant que le mec est censé savoir plus ou moins jouer, enfin j'espère, qu'est-ce qu'on sait qu'on ne sache pas jouer, c'est pas beau. Ça reste de la flûte à bec. C'est ça, c'est qui pas... Qui n'est pas de la flûte traversière, je très bien précisé. C'est vrai que toi tu fais de la flûte traversière, c'est ouais, ça? C'est ça. Mmh. Ah oui? Ah c'est... Alors, oh.
Ah bah ça c'est Titanic. Oh, elle est bien celle-là. Ça va. Mais attends, c'est peut-être pas encore la flûte. Avec. Ah, je pense que ça a commencé là. Voilà. Voilà. J'aurais dû prendre ma tête, comme ça j'aurais fait aussi. Ah, toi aussi tu as une tête? Ouais. Mais c'est pas pourquoi fait. On se demande pourquoi il y a une tête. Ben voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez savoir pourquoi Thomas a une tête. Oh, on fait un petit sondage. Un sondage? On fait un petit sondage. Ah, tu donnes des propositions, ils doivent deviner pourquoi t'as une tête. Ça. Ah, je donne trois propositions. Allez, vas-y. Trois ou quatre propositions? Quatre, allez. Quatre propositions. Alors, proposition 1. Parce que ça fait super beau dans la déco chez moi. Proposition 2 pour mettre ma perruque blonde d'elfe. Proposition 3 pour poser mon casque. Proposition 5. Non, c'est 4 en plus. C'est 4, c'est pas oui. Proposition numéro 4. Comme ça, toutes les nuits, je peux enlever mon masque et le mettre dessus. Parce qu'en vérité, je suis Fantomas. Le sondage s'affiche, alors à votre avis, la réponse plus tard dans la vidéo. Je mets. Bah, on peut refaire une. Ouais. Tu mets, tu fais là? Dans une chaussette. Oh, première perruque, deuxième perruque, on en est à deux perruques rangées dans une chaussette pour cette boîte merveilleuse. Alors, cette mise en chaussette était. Magnifique. Je vais dire érotique. Oui, bon, alors après, il faut savoir si on met un petit onglet interdit à moi. Non, mais, mais pourquoi? C'est un micro. C'est un micro. Charentaise. Charentaise. Copine. Et quand elle passe à l'action, ça me soulage ou tu devines. Je n'ai pas signé pour passer en vidéo à chanter cela. Je cherche la kératine. Elle est là. Elle était cachée. Et donc là, Armel, tu t'occupes de la perruque bleue laissée par Gaëtan dans cet état. Dans ce sketch, Gaëtan joue une sirène. Et donc, le fait d'avoir une perruque avec des cheveux longs bleus, ça marche plutôt pas mal. Oh, ça marche très bien. Ça marche très bien. Surtout avec la barbe. Sauf que, en fait, c'est pas du tout pour ça qu'on l'a acheté, cette perruque-là. Ouais. Et non. C'est parce que à peu près dans la même période, on a joué une pièce qui s'appelait Kaamelott. Avec les enfants. Oui. Avec les enfants. Et dans la pièce Kaamelott, il y avait la Dame du Lac. Mmh. Voilà. Et du coup, donc c'était Cerise qui jouait la Dame du Lac et qui du coup avait cette perruque qu'on avait achetée exprès. Parce que les parents n'avaient pas voulu qu'on la teigne en bleu, ce qui est tout à fait compréhensible. Non, moi je comprends pas, franchement. voilà. D'ailleurs, on en a déjà parlé de Cerise qui jouait la Dame du Lac dans la vidéo, comment ça s'appelle cette vidéo? On ouvre des boîtes de costumes. Ah oui. Voilà, et c'était la fameuse... Après l'été, période de rangement de tous les costumes. Nous avons adoré cette vidéo. C'est la vidéo qui nous a brisé le cœur. Oui, on a pas eu un infarctus sur place. On s'est dit, oui. On recommencera l'été prochain, c'est pas grave. Est-ce que vous l'avez vu cette vidéo? Sinon, tu peux remettre le lien pour regarder cette vidéo. Alors, tac, lien ici, voilà. Et allez voir la vidéo, mettez un like et puis après, revenez. D'ailleurs, en parlant d'essayer, je trouve que là, c'est bien, on est en train de coiffer des perruques. Mais on les essaye pas. Mais est-ce qu'on les essaye pas? Bah, t'en as essayé une quand même. Moi, j'en ai vous, déjà, vous avez pas essayé de perruque, hein. Et puis, attends, là, nous sommes en plein... Mais alors, sauvetage. Tu peux en mettre une autre de perruque. Une pas coiffée. Une pas coiffée. Mmh. Ah, je suis fière de moi. Allez, vous savez quoi? Allez, on revient dans quelques secondes et on aura tous une perruque. A few moments later. Ta-da! Et alors la mienne, qu'avons-nous fait avec? Alors cette perruque, on l'a achetée à la base pour les têtes à claques. Une des versions qui n'a jamais vu le jour, où normalement le duc était censé avoir ça. Bon, enfin, vraiment côté très duc, lord anglais, etc. Ah, d'accord. En sachant que pour le coup, cette perruque
à la base, elle avait une espèce de nœud derrière. Oui, 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 tout à fait. Un moment, comme on avait un sketch qui se passait au temps de Louis XIV, tout ça, avec Corinne qui jouait la baronne, ah, oui. On est venu remonter la truc pour faire une espèce de... De choucroute, enfin voilà. Choucroute, ouais, de... Voilà. Et puis après, quand on a changé, on l'a refait, défait, enfin voilà quoi. Et pour faire les bouquets... Eh, 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 Gaëtan, 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 Gaëtan. Et on reçoit tout de suite dans la vidéo Gaëtan, notre président. Wouh. Dans le champ. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, on coiffe des perruques et on les met dans des chaussettes. Au revoir, président. Au revoir, président. C'était Gaëtan. En gros, Audrey, tu penses que cette perruque ne ressemble plus à rien? Bah oui. Oui. D'accord, bon. Réponse tout de suite. Later. Non mais si un jour on doit jouer un épouvantail à la rigueur, mais sinon franchement. Mais si. Peut-être mais qu'on non. va monter le magicien d'Oz là. Ah pour le magicien d'Oz il y a moyen, mais est-ce, franchement a-t-il l'air d'un clown? Dites-moi, ressemble-t-il à un clown avec ça? Ah là 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 là. Ah là ça ressemble tout. C'est un clown de Price. Ah bah. Le pire c'est qu'on l'a utilisé cette perruque. Ah. Pourquoi? Ouais. Ben, on était pas là. Sans raison de vous abonner. Ça vous dit quelque chose? 37. Parce qu'on est plein de surprises. Oui, mais c'est parce que t'as le rideau derrière. Mais en fait, j'avais pas vu que t'avais une perruque, tu vois. Mais j'avais vu ça se fondait dans le rideau. Bah ouais, non, mais si, c'est ça. Hein. Dans la vidéo, ça passe hyper bien. Ah, oui, mais en vidéo, peut-être en vrai, c'est dans un spectacle vrai, les gens, ils vont se dire, Bartolo, ils ont besoin de sous, tu vois. Eh, je vous le dis, si jamais on arrive à 100 abonnés, on fait 100 nouvelles raisons de vous abonner. Pour arriver à 200. Pour arriver à 200. Ouais, normal. Normal. Ah, chiche. 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 Chiche, on le fait. Ouais. Et Audrey sera avec nous sur le tournage cette fois. Chiche, je serai là. Alors. Moi j'ai déjà une raison. Si vous voulez. Pour voir coiffer des perruques. Ouais. Si vous voulez voir ce sans raison de vous abonner numéro 2, faites grand abonnez-vous. Voilà. Ok, petite pause. Au moment du montage, on est déjà à plus de 100 abonnés sur la chaîne. Donc, bah, je vous l'annonce officiellement, nous avons commencé à écrire ces 100 nouvelles raisons. Voilà. Sinon, bah, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne, hein, ça fait plaisir. Et puis, bah, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Et en plus, si vous cliquez sur la cloche, vous serez prévenu quand on sortira des nouvelles vidéos. C'est plutôt cool. Et puis après, bah, vous pouvez aussi partager les vidéos, laisser un commentaire, un petit pouce, tout ça, tout ça. Allez, je vous embête pas plus longtemps, merci à tous, et tout de suite. On met des perruques dans des chaussettes de Noël. Non mais hey, honnêtement, le jour où on fait un sketch avec des clowns, déjà, on se connaît. On va pas faire un sketch sérieux avec non, des clowns. Non, bah certes. On va pas faire des vrais clowns. Ouais. Donc ça peut carrément marcher. Ah ouais, là c'est le... Là c'est le clown... Eh, hey, Ronald McDonald quoi. Bah même Ronald McDonald, ils ont abandonné. C'est vrai que moi, quand j'étais gamin, il y avait des statues. Ah bah ouais, mais il n'y a plus de... Ah non, il n'y a plus, bah non. Même dans les menus, maintenant, ces petits personnages en forme de... Bah ouais, voilà, ouais, bah non. Il n'y a plus rien à l'effigie de Ronald McDonald. Bah non, tu vois, même lui, il ne pourrait plus utiliser. Si jamais vous connaissez un resto McDo en France, allez, ou en Belgique, où il y a encore Ronald McDonald, vous mettez en commentaire... Et on fera un vlog. On ira. On ira tester. On ira dans ce McDo là. Ça n'a rien à voir avec l'hôtel, je m'en fous. On ira jusqu'à ce McDo là. Prendre en une clown. Photo. En clown. Avec en clown. On va obligé. Et on ira. Obligé. Prendre une photo. Prendre une photo avec Ronald McDonald. Ah ouais, hey, ouais. Voilà, si jamais vous connaissez un McDo en France ou en Belgique. Vous me dites. À mon avis. Ouais, mais bon. Qui sait bon, ah oui, ta perruque là. Cette perruque, c'est ça qu'on a pas du tout parlé. Je crois que j'avais acheté en solde en fait. Une fois, je dis, oh, elle est super cette perruque et tout. Mm-hmm. La photo était géniale. Si je la retrouve, je vais mettre la photo maintenant.
sinon je mettrai une photo de brocoli. Et donc en fait c'est censé être une perruque de loup-garou. Ah oui. Ah oui, à moyen. Oh oui, si si. Si si. C'est parce que t'as pas vu le loup-garou récemment. Mais oui, voilà, c'est ça, ça ressemble. Hein. Non, si si, c'est l'idée qu'on serait du loup-garou. Oui, 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 bien sûr. Et donc cette perruque là, c'est donc on avait joué le sketch La cuisine à Lucie, qui était un sketch qui se passait en pleine préhistoire. Et je lui ai dit, j'ai la perruque idéale. Tu vas kiffer. Adorer. Tu vas adorer, c'est ce qu'il faut. Je lui ai ramené le truc, il m'a dit. Mais non. Et il a pas compris, et je pense que personne n'a compris pourquoi c'est pas. Mais moi je trouve que ça finissait le personnage. Ah ça c'est sûr. Son costume et sa perruque. Ah ça. Je sais pas si t'as des images. Mais... Alors j'en ai, mais je ne suis pas sûr qu'ils veulent bien que je les mette. Non non non, je ne mettrai pas d'image de Fred avec ce costume. Essayer de réparer la grosse. Non, non, c'est la bleue dont tu dois te faire. Tu peux enlever ta perruque si tu veux. Bah oui, parce que là ça devient compliqué si la perruque bon, de la tête. Laquelle je coiffe. Attends, c'est quoi je vais faire. Ah bah oui, c'est bien compliqué. Ah oui, oh là là. C'est pas gagné. Hein. 2 hours later. Tu peux me passer une chaussette. Oui, j'ai envie de t'en attraper. Alors attends, je pense que nous avons. Ah bah tu as un autre stock de chaussettes, c'est parfait. On a plein de chaussettes. Mais c'est pas des... Oh. C'est beau. On dirait un petit singe mort dans cette chaussette. Il m'énerve ce gros ventre. Ah. Est-ce qu'on disait pas que... Que le Père Noël il avait pas un régime. Les gens doivent vraiment se demander ce que je suis en train de faire. Bah, il est en train de... Oh, le Père Noël se dégonfle. J'ai l'impression de jouer de la cornemuse. Timelapse sur fond de cornemuse. Et au fait, à quoi elles te servent, à toi, tes têtes? Sondage. Sondage. Les deux têtes là, elles viennent d'Armel. Armel, à quoi te... Oh, je n'ai plus de ventre. Armel, quelle proposition, à quoi peuvent te servir tes têtes? Un peu comme toi, ça sert à la déco de mon intérieur. Mm-hmm. Ça me sert à ranger ma perruque parce que je n'ai pas de vrais cheveux. Troisième proposition, ça me sert comme étalon pour faire des bonnets au tricot. Quatrième possibilité, c'est pour mettre mon casque micro quand je ne travaille pas au téléphone. Allez, le sondage s'affiche ici. Sachant que ma tête s'appelle Jean-Pierre. Ah. Donc la question c'est, à quoi sert Jean-Pierre? On a une moustache. La moustache du Laurent. Ah, c'est celle que je mettais pour les têtes à clé. Bah oui, il me semble. C'est ça, donc je l'ai pas mis tant que ça. Non, tu la mettais. Non, mais ah je trouve avec une autre. Ah oui, oui, à la. Hey. C'était le déguisement de James Bond, en sachant que j'avais exactement la même coupe de cheveux à l'époque. À peu près. Oui, c'est vrai que moi je me suis souvent posé comme question, mais pourquoi met-il une perruque? Mais c'était pour être dans le personnage. C'est parce que le personnage était censé se déguiser, mais voilà. Mal. Et oui. Du coup, c'était ça qui était drôle. Ah bah là. Enfin, oui. Moi je trouvais ça très drôle. De dire. Le mec qui colle avec sa perruque, ça change rien en fait. Ça sert à rien et tout. Comment ça pourrait s'appeler un site spécialisé dans le peignage de perruques? www.jecoiffemaperruque.com. J'aime les perruques. J'aime les perruques. Je prends soin de mes perruques. Plus belle la perruque. Ah, pas mal, pas mal. Ouais. Et voilà. Première perruque. Match later. Bon, le cadre a un petit peu changé parce qu'il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Audrey a coiffé la perruque. Loup-garou. Loup-garou. Moi, je trouve que maintenant, il y a un petit côté chanteur des One Direction, tout ça. Non. Et regarde, moi, j'ai trouvé la perruque de Richard Gere. Et ouais. Ouais.
faut juste qu'on trouve l'acteur qui va avec. C'est ça. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Bah tiens, prends ça. Ouais. Tu vas ranger la perruque dans une petite chaussette. Oui, allô? Ah, je pensais que c'était une cucurbitacée. Et c'est, comment il s'appelle dans Tata Rastapopoulos? Rastapopoulos. Un deuxième crâne chauve. Mais attention, c'est un crâne pas complètement chauve. Ah oui, c'est celui qui assume pas sa calvitie. Oh, tu sais, ils ont des super longs cheveux là, et puis ils te le font tourbillon. Et remarque, comme si ça. Tu lui mets un petit peu de kératine, ça peut être sympa. Hein, oh, ouais, quand même. De l'aventure, ouais. Ah, il a un pervers. Alors, deux têtes, je crois que j'ai acheté un moitié pour les pandas, un moitié pour nous. Et j'ai facturé à personne, j'ai pas osé. Ceci, quel est ton tien? Mais c'est une perruque! Eh oui! C'est vrai qu'on s'utilise pas tant que ça des perruques. Bah c'est surtout, comme tu l'as dit, pour le café théâtre, pour s'amuser. Bah oui, ouais, quand ils décident de nous faire un sketch à perruque. Mais voilà. C'est vrai que ça c'est comme ça c'est obligatoire. Réunion fait. Réunion de fée, c'est sketch à perruque, c'est obligatoire. C'est... Oui, bah oui. T'avais une perruque quand tu l'as fait? T'avais mis la perruque blonde. Elle a pas mis la perruque. Elle a pas mis la perruque. On m'a pas dit. Ah. Non mais vraiment, j'avais. De tête, c'est censé être une perruque un peu rocker hein, sur la boîte. Ah ouais. Non mais là, il faut dire adieu au rock et voir ce qu'on peut faire, mais. À limite, là, en version lisse, ça peut faire une perruque Indochine. Ouais, peut-être, ouais. On peut la lisser pour faire de l'Indochine. Ouais, bah ouais. Ah, alors ça on peut en parler. Voilà, bah tiens. Ça on peut en parler, hein? Hein, qu'on peut en parler. Ça c'est la barbe de la vidéo. Ça ne paraîtra jamais. C'était, comment ça s'appelle, le professeur Didascali qui vous apprend des choses. Et ça s'est fait vraiment Père Noël vu dans la caméra. Oh oh oh. Et en fait on avait tourné la vidéo. Et c'était flou. Flou. Toute la vidéo est floue. Et donc nous allons retourner cette vidéo, mais qui ne sera plus du tout avec le on professeur complètement Didascali le... Avec Fifrelin. D'accord. Voilà, on change complètement la... Et vous verrez ça en 2020. Ça me rappelle souvent. Eh ben là, il y a du taf. Hein. Voilà. Eh ben, on a vu toutes les perruques de La Voix des Nains. C'était la perruque Beatles. Ah oui, bah là, on y est, oui. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. That we hold it all out. Let it be. C'est ça qui me fait penser. Vas-y. Avec la guitare à corbier. Sans ma barbe, quelle barbe. Elle est désaccordée. Ah bon? Ah bon? Oh, nous sommes étonnés, hein. On s'en était pas rendu. Là c'est bon, c'est mieux. Tu fais pas un petit coup de Renault, toi? Tant que t'as la guitare. Attends, est-ce qu'il y aurait pas une perruque qui ferait un peu rouge? A few minutes later. Ah ouais. Ça marche ou pas? Ah bah ça marche. Oui, ça peut marcher. Ça peut marcher. Non. Moi j'aime bien les animaux, les petits éléphants. J'aime bien aussi les chevals. Je trouve ça marrant. Ding 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 ding. Un petit Renaud chante le foot. Ah oui, Renaud chante le foot. Le nouvel album de Renaud, Renaud chante le foot. Ah ouais, tu connais pas? Ah non. Tu connais pas le nouvel album de Renaud? La première, ah ouais. Ah ça c'est après. Franchement, pour Noël, offrez à vos amis footeurs Renaud chante le foot quoi. C'est Renaud chante le foot, ça fait. Je sais pas jouer de guitare, on s'en fout. Marseillais, va niquer ta mère sur la canne-canne-canne-canne-guerre. Renaud qui chante les chansons de foot, les hymnes de foot.
Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Waka waka. Eh eh. Eh, il y a une deuxième perruque de clown. Ouais. Elle est mieux, je trouve. Ouais, elle est mieux. Elle est mieux que la rouge. Oui, elle est mieux. C'est relatif. Hein. Oh. Deux étrangers au bout du monde. Vas-y, Axel Red. Renaud chante Noël. Ah oui. Petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel. Avec tes joujoux par milliers. N'oublie pas. Mon petit soulier. Le marchand de sable est passé. Les enfants vont faire dodo. Et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Oh, la perruque de Blanche-Neige. Ah oui. Ah bah là aussi t'as du boulot, Armel. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de laisser une perruque comme ça. Un coup de peigne, un coup de kératine. Seigneur météo, quand on dit qu'il fait beau. Seigneur météo, agra, qu'un frigo. Je suis en train de me dire, je pense que le titre de la vidéo. Ça va changer. Ça va pas être on coiffe des perruques, pour les met dans des, on met des perruques dans des chaussettes de Noël. C'est on met des perruques dans des chaussettes de Noël et on chante beaucoup. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bon, est-ce que je m'arrête là ou est-ce qu'on est bon sur cette perruque ou pas? Bah, devant t'es bon ou derrière, tu vois? Oh, t'es pas mal aussi derrière. Et au-dessus? Et le dessus aussi, on n'est pas trop mal. Hé, hey, je peux mettre une perruque dans une chaussette, ouais. Annie et aime les chaussettes. Les chaussettes d'Annie. Et mes chaussettes, rouges et jaunes à petits pois. Many hours later. Bon, bah voilà, nous on en a pour toute la nuit à continuer à coiffer ces perruques. Oh bah au moins. Au moins. Voilà. Dites-nous en... C'est la belle nuit de Noël. Si vous ne savez pas où réveillonner, n'hésitez pas, nous sommes là, venez nous voir. La vidéo sortira après. Pour le nouvel an. Pour le nouvel an, venez avec nous, on fait coiffer des perruques. Alors vous pouvez ramener de la bûche de Noël. Ah ouais. Voilà. Du foie gras. Du champagne. Ouais, on prend aussi. Hein, des huîtres. Deux huîtres, écoute. Ouais, moi non plus, mais... Mais bon, les gens qui viennent nous voir, s'ils aiment, ils peuvent venir. Oui, voilà, une soirée très festive. Voilà. Ça peut être très sympa aussi, voilà. Donc, voilà. Et puis, n'oubliez pas surtout, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche. Laissez un commentaire. De toute façon, j'ai eu plein d'occasions de laisser un commentaire. Oui. Partagez la vidéo, partagez nos vidéos. Allez, okay. Bonne fête de fin d'année à tous et rendez-vous en 2020. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Abonne-toi s'il faut qu'on arrête de chanter.